Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour. Avec vous, le magazine de la politique française et Jean-Marie, nous partons du côté des États-Unis. C'est normal, c'est une visite d'État qu'est en train d'accomplir Emmanuel Macron en ce moment, attendue par Joe Biden. Première visite d'État organisée hein, par le président américain, deuxième pour le président français aux États-Unis. Ma première question, puisqu'il était déjà venu en 2018, c'était avec Donald Trump. Il est réinvité ensuite par Joe Biden. C'est un honneur rare pour un président français. C'est une marque de distinction, en effet, de la part du président Biden, parce que c'est le premier, en effet, qui l'invite à une visite d'État. Donc, c'est un, pour, j'imagine, manifester qu'il existe toujours un lien particulier entre la France et les États-Unis. Mais ça ne va pas au-delà. En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que, et c'est, on le constate d'ailleurs, c'est une visite plus traditionnelle, plus conviviale, moins déjantée que celle qui avait eu lieu avec le président Trump, qui lui avait fait étalage de sa, disons, entre guillemets, fantaisie, pour ne pas dire pire ou plus. D'accord, vous avez employé le mot déjanté. Je ne retiens pas ce mot. En tout cas, avec Joe Biden, beaucoup de cérémonies officielles. Ça passe par le Congrès américain, la Maison Blanche. Il y aura les 21 coups de canon. Dîner aussi, ça c'était hier. Alors une amitié franco-américaine célébrée, puisque visiblement, du côté de Joe Biden, en tout cas, il faut faire un petit peu oublier cette brouille. Ça a été violent. C'était en septembre 21. C'est la fameuse affaire hein, des sous-marins pour l'Australie. Ça n'est pas oublié du tout du côté de Emmanuel Macron. Oui, parce que si vous voulez, la caractéristique avec les États-Unis, c'est que la France et les États-Unis sont des alliés historiques. La France ayant été le premier allié de la jeune République américaine, puisque sans l'aide française, l'indépendance aurait été plus tardive. Donc il y a cela. Il y a aussi ensuite les deux guerres mondiales où les États-Unis sont venus évidemment au secours de la France et de façon évidemment décisive. Il y a toujours eu en même temps des hauts et des bas. C'est une alliance qui est fidèle, qui est stable. Là, il y a à la fois un sujet d'accords politiques étroits s'étendant sur la question ukrainienne et face à la Russie, d'une part, mais en revanche, il y a toujours les mêmes problèmes avec les États-Unis qui sont. Il faut jamais oublier que les États-Unis, c'est une république commerçante. Et donc, le commerce n'est jamais loin de leurs faits et gestes. Et là, il y a dans la politique de Joe Biden une arme qu'il considère comme étant une bonne arme contre l'inflation, mais qui a aussi des volets protectionnistes qui gênent et la France et l'Europe. Et donc, ça, c'est un sujet difficile, délicat. L'affaire des sous-marins, c'est aussi la substitution par les États-Unis de leurs équipements sophistiqués par rapport à des équipements français plus réputés, plus traditionnels. Et de la même façon, lorsque l'Allemagne décide un plan d'armement assez considérable de l'ordre de 100 milliards d'euros, eh bien, l'Allemagne se tourne aussi vers des équipements américains, vers des avions américains, vers un bouclier antimissile qui serait américain, à la grande déception des Français Des qui Français, oui. souhaitaient que sur ces sujets, les Européens agissent et s'organisent. Ce qui est évidemment la clé d'une future défense européenne, c'est une industrie de l'armement européenne. Donc, vous voyez, il y a à la fois des sujets qui sont traditionnellement des sujets de dispute, et puis en même temps, le fond d'une alliance qui reste stable parmi les, enfin, très très stable au fond sur la longue période. Mais Emmanuel Macron, en arrivant, a tout de suite dénoncé, hein, je le cite, hein, des mesures super agressives hein, de la part des Américains pour les entreprises donc françaises et européennes. Vous allez peut-être régler votre problème, mais vous allez aggraver le mien. Je suis navrée d'être aussi directe. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron en arrivant aux États-Unis. Ils vont parler de l'Ukraine, évidemment. Ils sont pas d'accord hein, sur le fait que Emmanuel Macron continue, entre guillemets, à avoir un canal direct avec Vladimir Poutine. Ça, Joe Biden, pour lui, ça passe pas. Oui, en même temps, les Américains ont ce canal Ben direct, oui. puisque Joe Biden a envoyé le patron de la CIA et un ancien patron de la CIA, qui est aussi un diplomate très chevronné, discuter avec des officiels russes en territoire entre guillemets neutre. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est à Istanbul, enfin, c'est en Turquie. Et donc, les contacts entre Américains, hauts responsables américains, hauts responsables russes sont
permanent, ne serait-ce que pour essayer de neutraliser toute perspective nucléaire dans ce conflit. Il y a aussi une part de messages adressés à sa propre opinion de chaque côté. Donc, je pense que dans ce domaine, il faut quand même relativiser parce que les positions sont quand même globalement alignées. Et alors, évidemment, pas de la même ampleur, parce que l'aide militaire française ne peut pas être comparable à l'aide militaire américaine, bien sûr. Mais le schéma est le même. On aide l'Ukraine autant que l'on peut. Et puis, on se prépare aussi à une phase qui, on l'espère, sera un jour une phase de discussion. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus l'envisager tant que les Ukrainiens n'ont pas recouvré une part essentielle de leur territoire. Et ça, je pense que ça a été bien compris aussi en France. Jean-Marie, justement, la France, on va y revenir, puisqu'on était aux États-Unis. C'est devenu une routine, mais oui, je me permets le mot. Hein, cela fait 7 fois désormais que le 49-3 est enclenché, dégainé par la première ministre, donc Elisabeth Borne. Qu'est-ce que cela nous dit, encore une fois, sur la façon de gouverner en ce moment en France ? Oh, elle est inévitable. Là, on ne voit pas comment, sur des questions budgétaires qui sont récusées par avance par les oppositions, le gouvernement pourrait faire autrement que par le 49-3. Alors, à chaque fois, on a 49-3, dépôt d'une motion de censure, rejet de la motion de censure. C'est un mécanisme très classique et qui est pour le moment le seul à portée de main du gouvernement. J'ai une dernière question. Le mondial, en ce moment, la France, donc, est arrivée en 8e de finale. Vous qui vivez en France, est-ce qu'il y a un petit peu cette magie du football qui est là en France, ou alors c'est quelque chose qui est un petit peu oublié pour cette édition au Qatar là, en ce moment ? Ah non, elle existe, elle se manifestera au sud de tout le monde si la France va loin dans un la petit compétition. Peu plus loin. Mais d'ores et déjà, si vous regardez les taux d'audience et le nombre de personnes qui regardent les matchs de l'équipe de France, les Français sont au rendez-vous. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous encore une fois pour ce magazine de la politique française.